Salut les gars, Fardy, Nio, on se retrouve pour un tuto. Les rats, je ne sens pas prêt, c'est bien dans le giveaway. 28 000 abonnés, les rats, je ne sens pas prêt. Ne dis pas mal, l'STV, on aime l'originalité. Big up les Chulapichu. Faut pas critiquer la coupe, franchement, faut pas critiquer la coupe. Parce que là, c'est le réveil. Parce que là, c'est le réveil, tout simplement. Donc, ça veut dire que là, personne ne me respecte. Chaque cheveu qui est en moi ne me respecte pas. Tu vois, autant que mes abonnés qui font que écrire Malaise TV. Big up à vous, les Chulapichu. Alors là, on va se faire une vidéo aujourd'hui. Principe de jeu. Principe de jeu. Donc, ça veut dire qu'on va commencer tout de suite. Regardez-moi dans les yeux. Principe de jeu, frérot. On va commencer à parler setup. On va parler jeu. Tac, tac. Donc là, on va aller sur D2. Tranquillou. Et je vais vous présenter tout simplement un petit setup complet. C'est-à-dire. C'est un setup en CT, d'accord. Donc c'est un setup, c'est une défense. Quand on dit un setup, c'est une défense, une strat, une tactique. On appelle ça plutôt. On va plutôt parler de strat en terreau et de setup en défense. Donc là, on est en CT. On va parler d'un principe qu'on appelle la Lemon Dogs. Donc la Lemon Dogs, c'était une équipe en 2012-2013. C'était une équipe suédoise et qui contrait un petit peu la 3-2-B. La méta, c'est les tendances, c'est les tactiques actuelles, on va dire ça comme ça. Faisait beaucoup de 3-2-B. Sur D2, les gens faisaient beaucoup de 3-2-B. Donc 3-2-B, c'est une split B. Donc ils passaient par le mid et ils allaient en B là-bas. Et en CT, c'était très dur de contrer ça à l'époque. Encore aujourd'hui, hein, parce que c'est une strat vraiment assez forte. Et en gros, il y a un setup qu'on appelle la Lemon Dogs. Donc la Lemon Dogs, c'est quoi? C'est qu'on va aller à 3B. On va aller à 3B. Donc, bien sûr, on peut se placer différemment, d'accord? C'est en fonction de votre positionnement. Mais grosso modo, y en a un lucarne ici caché, d'accord? Caché qui a une visu sur le tunnel si ça sort tunnel. Un prison par exemple qui se cache du tunnel flash en main pour la façade. Ou alors il peut se mettre ici encore une fois flash en main prêt pour la façade. Et bien évidemment il est cover du tunnel avec son poteau lucarne qui a la visu. Et un mec ici. Donc on setup, bon je le dis pas parce que ça sera pour un nouveau tuto, qui saute ici comme ça au couteau, donc il donne son cul au tunnel bien évidemment, mais qui prend l'info comme ça. Donc si ça smoke 3-2-B et si ça déclenche, il dit ça déclenche et là la flash part, il prend son arme, ça part blanc, hop il décale et le mec lucarne reprend aussi. Donc en gros le setup Lemon Dogs sur le B c'est ce que ça donne. Mais il faut comprendre que c'est un jeu tactique et ça veut dire qu'il faut orienter aussi la défense sur le A. Et en fait en A, le setup Lemon Dogs, c'est quoi? C'est un AWAP au niveau du point com ici, qui a une visu sur la corne et qui laisse passer corniche. C'est à dire qu'il va tirer mais qui laisse passer corniche. Et après il reback vers la GA et il garde la GA avec son pote qui est GA, donc qui est là au niveau du bleu par exemple, caché ou dans le trou comme ça, et qui garde que sa GA. Et en fait à 2 il garde la GA. Donc si on regarde toute la map en large et en travers, ça veut dire que on ne joue pas du tout la corne. Ça veut dire que là le mec en A il back. Ça veut dire qu'il doit pas être ici sur une Lemon Dog. Sur le principe de la Lemon Dog, c'est qu'on veut défendre la 3-2-B. C'est parce que les mecs font beaucoup de 3-2-B, qu'ils ont des tendances à aller sur le mid et tout. Donc on est faible de ouf en A, mais au moins on n'est pas ici. Ça veut dire que le mec s'il est là et que ça passe en A, il est solo VS 3-4 personnes. Il y a son pote GA qui peut pas l'aider et il y a ses potes en B qui peuvent pas l'aider. Le backup est ultra long. Donc c'est pour ça que le setup en A doit se faire de cette manière. Et surtout en B. Donc on est ready pour la contrer. Donc une flash qui part comme ça. Et hop, on sort et on déboule tout ça. Donc voilà, principe de jeu, Lemon Dog, setup, principe de jeu. Je le mets ça dans cette section là. Voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer. On se retrouve pour un nouveau tuto très bientôt. On se retrouve pour un nouveau freestyle très bientôt. Je vous embrasse tous très fort les Cafardinho. On est à 28 000 abonnés, ça veut dire giveaway. Regardez ce que je rajoute au giveaway. Donc il y a une M9 Fade, il y a plein de trucs et tout. C'est sur Twitter, c'est ceux qui voudront me follow, ceux qui voudront liker, etc. Que ce soit sur Facebook, YouTube, etc. Je prends des gagnants sur le stream, des subs, pas des subs. Donc il y a des M9 Fade, il y a une M9 Fade, un Gut Knife Doppler, un Flip Knife Doppler, AWAP Asimov, des trucs comme ça. Une Desader Chroma et un Mouse Bungie que vous voyez là. Donc le Mouse Bungie, ça sert à tenir le câble de la souris pour pas que ça vous gêne à le traîner dans tous les sens. Donc voilà les Cafardinho, je vous embrasse tous très fort. Abonnez-vous à la chaîne, bouche à oreille les soldados. 30 000, on approche. Big up à vous.